Moi, j'écoutais, monsieur. Et toi? Alors, je viens de continuer, il va apparemment me proposer un truc. Oui, je vous suis. Bon, on arrête là, venez, venez. Venez, bon, venez, venez. Tous ceux qui sont venus, bah, venez, on va parler tout simplement. Puis ceux qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent pas, vous êtes obligés, vous engagez à rien. Ok. Ils sont louches. En gros, ils sont en train de recruter en ville. Ils viennent me dire, ouais, viens. Vu que mon partenariat n'a pas marché, vu qu'il n'y a personne qui a voulu être partenaire avec moi, on va suivre les messieurs en costard. Je suis... Ok, on est juste deux à les suivre, l'aile. Ces portes. Ah, ces portes. On est Entrez, entrez. posé rentrer dans l'appartement, ok. Par contre, monsieur, alors déjà, je vais juste vous poser une question. Ceux qui ont déjà investi à la banque, je vous invite juste à sortir de cette salle, s'il vous plaît. Pourquoi? Ah, on va faire un coup sur la banque. Je crois que vous avez compris, mais je crois vous avoir aperçu à la banque et je crois que vous avez déjà investi, du coup, Non, ça non, m'étonnerait que monsieur. ça vous intéresse. Non, je faisais du repérage, monsieur. Bah d'ailleurs, je peux aller continuer de vous faire du repérage. Oui, d'accord. Alors, Est-ce que je on peux a volé l'armée? est-ce On que n'a je plus peux personne. Je suis est-ce que je preneur, peux moi. est-ce que je peux avoir votre numéro pour vous contacter? Ah bah tiens, il y a mon chat, il s'est réveillé. Oui, bien sûr, dans l'annuaire, vous cherchez un Nord-Coréen. Je m'appelle Kim Jong-un. D'accord, je vous tiens au courant. Allez, je me casse vite, faut que je D'accord, sécurise bon, ce allez map. faire du repérage si vous voulez. Hein. Alors, Bon, mais bah à attendez, toute. attendez, monsieur, avant, on va juste parler du plan. Attendez. Ouvre pas, Je vous écoute, j'entre, monsieur. ferme la porte. Je cherche mon chien. Alors, monsieur, vous êtes là? Alors, ce qu'on prévoit de faire, c'est tout simplement, bon, comme vous le savez, il y a pas mal de printers à la banque, on a déjà fait du repérage de notre côté. Il y a moyen de se faire pas mal d'argent, je pense, en attendant un peu de temps. Du coup, vu qu'on est 5, il y a la possibilité de faire quelque chose. Après, niveau sécurité, c'est bien blindé, donc ça va être assez difficile, mais bon, on pourra bien s'en sortir. Donc, D'accord. grâce à notre ami Jean ici, il peut donc, ça sera lui qui va craquer toutes les serrures et tout ça. Nous, on va s'occuper déjà de chercher une arme et D'accord. on va faire le reste. Écoutez, je pense connaître le code de la première porte. La deuxième, je le connais pas, mais je connais le code de la première porte. Je vais essayer d'aller l'entrée D'accord. et ensuite je vais essayer de faire du repérage, essayer de comprendre comment le système fonctionne. Est-ce que je peux vous retrouver ici avec les informations D'accord. Alors, ce que nécessaires? vous. Ok, d'accord. On se retrouve ici dans le temps nécessaire. Le temps 10, 15 nécessaire minutes, que je vous avez pense fait une donc quinzaine de du minutes. repérage. Une quinzaine de minutes. D'accord. On se retrouve ici. À tout de Mais suite. monsieur, vous Il y nous a mon assurez que appartement, du coup. vous avez pas déjà investi à la banque, parce que je crois que vous êtes J'ai. justement allé voir pour. Parce que ça J'ai. serait dommage de braquer vous-même, quoi. Non, non, vous avez dû me confondre, monsieur. Vous avez dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, ok. Vous avez D'accord, dû me d'accord. confondre. Et dites-moi, au niveau d'armement, il faut être bien armé ou alors un Glock? Ben non, mais venez, monsieur. De toute façon, nous, on a déjà pas mal d'argent, mais Vous bon, m'ouvrez comme vous la porte, s'il vous savez, plaît? on en veut toujours plus. Et voilà, on va s'occuper de Jean, tout tu peux ça. ouvrir la Jean, porte, viens, s'il te viens. plaît. Faut juste ouvrir la porte Je pour le monsieur. connais les bonnes personnes pour faire fermer des yeux et puis pour qu'on puisse passer inaperçu. Je sais comment on va s'y prendre. Bah, je vais faire jouer mes relations et puis je vous retrouve ici le plus tôt possible. D'accord. D'accord. Ok. Vous me connaissez, les gars. Vous savez que c'est pas vrai. Vous me connaissez trop. Si vous Vous me voulez, connaissez je peux trop. partir. Vous me connaissez, vous savez que c'est du pipeau, c'est des conneries. Vous savez que j'ai mon imprimante à la banque et qu'ils Pire, veulent c'est braquer bon, la ouvre la banque et porte. il y a mon argent dedans. Jamais ils vont le faire. À très bientôt, je vous Entendez? retrouverai ici même d'ici une vingtaine de minutes. Sauf que je serai pas Bah, seul, je très serai bien, j'espère accompagné que de ce toute sera. une équipe du SWAT. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il prévoit de braquer la banque où il y a tout mon argent. Vite. 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 Il faut pas que j'aille genre comme ça, tu sais, faut que j'aille subtilement parler à un flic, etc. C'est là. Ne me donnez pas le code. Messieurs, je vais vous dire, je dois vous dire quelque chose très vite et sans qu'on m'aperçoive. Un braquage est en préparation pour vous dans les 30 prochaines minutes. S'il vous plaît, sécurisez tout. Il y a mon D'accord. argent qui est en jeu. Je ne D'accord. peux pas vous en dire plus, mais je dois partir. Oui. D'accord. Ça, c'est Vous la voyez, première monsieur? étape. Monsieur? Monsieur? Je peux pas trop parler. Oui. Je peux pas trop parler, mais c'est une question de vie ou de mort. Si vous me je dois rentrer, je dois Oui, parler à un je vous responsable. écoute. Je dois parler à un responsable. Je peux pas parler ici. Est-ce que je peux parler à un responsable, s'il vous plaît? Monsieur le policier?
Je m'en occupe, c'est je m'en occupe. D'envoyer monsieur, une équipe à je, la non, banque. monsieur, je m'en occupe. Non, 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 non. J'ai dit subtil, monsieur, je m'en occupe. Laissez-moi m'en monsieur occuper. La police. Retournez-y. Monsieur la non, police. Subtil, ouais, messieurs, messieurs, oui. Subtil. Je m'en occupe, laissez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que vous pouvez taper le code que je vais vous donner parce que je ne peux pas le faire. Je suis d'accord. Bloqué dans la porte. D'accord, allez-y. 1994. Voilà, monsieur. Voilà, venez, monsieur. C'est une question de vie ou de mort. Bonjour monsieur. Tu peux continuer, tu peux continuer. Monsieur, est-ce que je peux parler? Peut-être prendre l'ascenseur. Oui, mais je voulais juste qu'on reste dans un coin discret en fait. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, avez-vous été fouillé monsieur? Non, mais j'ai une arme sur moi. J'ai une arme sur moi, mais ce n'est pas la question, monsieur. Je suis là pour quelque chose de très très important. Est-ce qu'on nous écoute? Personne ne nous écoute. Il y a un braquage qui est en cours de préparation. Cinq hommes, lourdement armés. Je ne sais même plus parler tellement je suis en panique. Lourdement armés se préparent à braquer la banque juste en face de la mairie. Et je vous le dis parce qu'ils ont tenté de me recruter. Ils sont pas au courant. Que je tente de protéger mon investissement, hein. Pas que je suis une balance, je tente de protéger mon investissement parce que j'ai des dizaines de milliers d'euros là-dedans. Monsieur, j'en ai assez entendu. Est-ce que vous avez une équipe à disposition, une équipe d'intervention, le SWAT, je sais pas moi, un commissaire, la police? Je saurais vous donner leur emplacement tout de suite. J'ai mis dans l'agenda. Oui, oui, j'ai été informé de ça justement et qu'il y avait un braquage à côté. J'étais informé de ça et justement j'ai mis dans mon agenda que toutes les unités devaient se retrouver à la banque. Pour justement ce problème à régler. D'accord. Je vais pouvoir faire mieux, je vais même pouvoir vous livrer l'emplacement de ces criminels. Est-ce que vous avez un Très bien, vous avez plus d'infos. Est-ce que vous avez un responsable, c'est-à-dire. Oula, oula. Non, c'est bon. Oh non, oh non, oh non, mon argent. Oh non, mon argent. Je vais aider les flics, moi. Je vais aider les flics. Attends, c'est. Yes, je me suis rappelé du code. Messieurs, je peux vous aider. J'aide la police, j'aide la police. Il est down, down. Il est où mon argent? C'est mon argent, bande de pute. Il est où? Poussez-vous. Il est où? Ils sont morts. Bien joué, messieurs. Oh non. Mon argent! Mon argent, est-ce qu'il est en sécurité là? Allez-y, on les a tous. Je suis bloqué dans le coin et moi, vas-y, j'étais bloqué dans un bug là. T'es mort ici et t'as pas le droit de revenir. Bah, je suis bloqué, tu me tues comme ça là. Au revoir, monsieur. Ouais, on s'en fout, il faut notre argent. Venez, vous êtes masqué, vous êtes des dizaines. Monsieur, la police, faites sortir tout le monde, s'il vous plaît. Tout va bien, monsieur les banquiers. On les a tous neutralisés. Ouais, ouais, maintenant tout va bien. Heureusement que je les ai prévenus, hein. Oui. Vous sortir un peu tout le monde, s'il vous plaît. À part le monsieur. Tout le monde sort de la banque, s'il vous plaît. Confisquez tous les gueules qui appartiennent. Tout le monde sort de la banque, s'il vous plaît. Ouais, à l'exception de moi, parce que comme je vous ai dit, je suis. Oui, oui, à l'exception de monsieur Lèvres. Monsieur, je pense que vous avez pas le droit de faire ça, monsieur. Vous avez pas le droit de tout verrouiller comme ça, monsieur. Ah d'accord, oui oui, autant pour moi, non, vous avez tout à fait le droit de faire ça, désolé. Ouais, c'est pour mettre un keypad et tout. Après monsieur Lalette. Messieurs, ravi de voir que vous avez réussi à sécuriser notre argent et que vous avez réussi à contenir toutes ces attaques. Ouais. Vous l'avez dit monsieur, cette banque est la plus sécurisée de tout. Bah écoutez, ravi d'avoir fait affaire avec vous. Est-ce que je peux accéder à mon imprimante? Est-ce qu'on peut parler argent à l'arrière, s'il vous plaît? Ah, y accéder, monsieur? Non, je suis désolé, personne d'autre que nous. Oui, d'accord, je comprends. Par d'accord, contre, d'accord. Non, juste à l'accès visiteur, venez. D'accord, juste accès visiteur. Je peux fouiller, monsieur. Venez, monsieur, entrez. Allez, je voulais les braquer pendant un moment, j'ai la pensée qui m'a traversé l'esprit. La pensée de les braquer, en fait, vu qu'ils m'ont laissé l'accès ici. Monsieur. Oui. Monsieur en rouge, comment puis-je vous aider? Ah, ok, je pensais qu'il parlait à moi. Il parle à moi. Donc vous voulez voir quoi, monsieur Larache? J'aimerais savoir à combien s'élèvent mes bénéfices, ça. Attendez, je fais le petit calcul. Je dois avoir le responsable, s'il vous plaît,
Oh mon dieu, c'était Assez-moi, épique. monsieur. Bon, il y a eu deux, trois mecs qui faisaient, Je je suis peux vous coincé, parler etc. Ils ont un peu cassé le délire, en mais c'est pas général, grave s'il vous parce plaît. que l'action était le plus important. Par contre, Je suis désolé, le monsieur, mais jeune. avec un récent braquage qu'il y a eu, bah, il y a Je peux cinq tout vous minutes. dire, non, sans autorisation, j'ai aucune arme. Hein. Je peux tout vous Bien dire, je sûr. vous dirai, non, ça. Dans ce cas, vous allez être fouillé par, Je prends par notre président. 7650, Il n'y monsieur a pas là. de soucis. Vas-y, vous pouvez. Bah, je vais prendre j'ai ça déjà une pour commencer. clean. Et monsieur, il D'accord. faut que je rentre Alors, en mettre on prend 2% un sur le prix, donc on va prendre ici mis, pour le 750. Je comprends. Ouais, fouillez-le d'abord, fouillez-le. C'est bon, il est fouillé, il est clean. Je comprends, d'accord. monsieur. Bonjour. Bah, entrez. Monsieur, je vais devoir monsieur, vous par contre, le refroidissement, monsieur, il y a quoi, ça commence à fumer là. Bonjour. Il va falloir attendre, monsieur. Il y a déjà un client, pas plus de deux clients à la fois, monsieur. Je vous demanderai de sortir et de Il va exploser, elle va exploser mon imprimante là. Vite. Le temps qu'il faudra. Heureusement que je l'ai prévenu, hein. Monsieur, t'imagines avoir éclaté? Bien. Voilà. Ils prennent 10%, mais c'est vrai qu'ils dépensent aussi pas mal d'argent dans ces conneries-là. Hein. Mettez le bouton. Bougez pas, monsieur. Le maire nous a dit. Non, juste à droite du bouton là. Juste à droite du. Voilà. Monsieur, vous appuyez une fois pour ouvrir le sas, une fois que je dis que la personne était fouillée et vous refermez juste après. Il faut une seule personne dans le sas. Je suis en train de parler à côté, c'est pour ça que je parle pas trop parce que sinon ça ferait trop de. Et je fouille la personne dans le sas, d'accord? Parfait, à très bientôt. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps, je dois sortir. Monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Le banquier, il faut ouvrir le sas s'il vous plaît. C'était bien vous avec le gros. Ah, c'est un sas qu'ils ont mis en place. Ok, ok. Allez-y, monsieur. Pardon, ça, monsieur le sas. Monsieur le banquier, fermez le sas. Oui, monsieur, et oui, j'ai été témoin, je peux pas en dire plus. Recevoir tous les témoins. Monsieur, en route s'il vous plaît. Oui, je peux aller témoigner s'il le faut. Voilà. Je suis obligé de fouiller, monsieur. Attends, bah en fait je meurs de faim, je vais aller manger, je vous retrouve dans un instant. Je meurs vraiment de faim mais j'ai pas envie qu'il me fouille parce que j'ai une arme. Ouais, oh, c'était intense, god damn it. Tu sais, je voulais, comment dire, bah comme je vous ai dit, je voulais faire un petit épisode tranquille. Dans le sens où juste me faire de l'argent petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et après faire le gros truc, mais là il y a un gros braquage et tout, c'est parti en sucette. Bonjour. Bonjour. Après vous, monsieur. Bah, vous pouvez y aller. Non, non, après ah, vous, bon, monsieur, allez-y. Moi, je vais vous prendre 3 pizzas au chevet, s'il vous plaît. Pas de soucis. Ils vendent cher leur pizza, ces connards. Hey, ça va, mon chien? Qui se réveille en plein milieu de la vidéo et tout. Je dois faire du dog sitting pendant que je fais mes vidéos. Il est beau, il est beau. Faudrait que je fasse un petit vlog. Beaucoup de monde veut le voir depuis le temps que je l'ai montré. Ça monte à longtemps. Merci. Merci beaucoup, je vous ai mis de l'argent par terre. Pas de soucis, bonjour. 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 Qu'est-ce qui est le plus nutritif dans ce que vous servez en fait? Ce qu'on sert. Il connaît pas ça. Deux hamburgers, c'est le plus nutritif vraiment. Parce que les Twinkies. Ouais, je vais prendre 3 hamburgers s'il vous plaît. Ok, merci. Ok, 3 hamburgers. Quoique, peut-être que 2 hamburgers suffiraient. Je sais pas, on va la prendre tout de suite. Attends, ce qui est tombé à terre là? Ok, j'ai une idée. Monsieur! Ah! Il y avait de la saleté dedans là, c'est quoi ça? Monsieur! C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous m'avez servi? Je dis n'importe quoi. Ah, monsieur, vous l'avez fait tomber à terre, c'était dégueulasse. Je refuse de payer pour un tel service, monsieur. Je vais aller voir la police tout de suite et leur parler de votre manque d'hygiène. C'est scandaleux. Pardon? C'est scandaleux, monsieur. S'il vous plaît, faire tomber le magasin. Je crois que vous allez le faire. Monsieur, c'est scandaleux. Vous m'avez fait manger de la nourriture qui a essuyé le parterre. Je refuse de payer pour un tel service. Je vais aller voir la police de suite. Ou alors, on pourrait s'arranger. Non, on peut pas s'arranger, je vais aller parler à la police tout de suite. Si, si, monsieur, on peut s'arranger si vous voulez, je vous écoute. Monsieur, c'est quand même grave. C'est quand même grave, monsieur, je risque de faire une indigestion, là. Pour 500 euros, je pourrais peut-être me soigner, je pourrais peut-être payer pour les frais médicaux. Pour 500 euros. 500 euros?
On est violé. Monsieur, c'est les frais de médecin là, hein? Oui bah monsieur, il y a des gens qui ont faim, alors dépêchez-vous. Oui, je comprends que vous ayez faim là, mais ils viennent me faire bouffer quelque chose qui était tombé à terre là, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir monsieur, et ça, c'est pas du smecta qui va me soigner. Il va me falloir une opération chirurgicale, là, donne 500 euros monsieur. C'est ça où on va voir la police, c'est eux qui vont payer pour mon soin. Mais bon, par contre, ils vont venir vous voir tout de suite après, quoi. Ce serait un petit peu malheureux pour vous. Donc, monsieur, s'il vous plaît, vite, là. Vite, je suis en train de mourir, monsieur. Monsieur, vite, je suis en train de mourir, là, vite, j'en peux plus, là. Je vais aller voir la police, vite, monsieur. Bah, allez-y, monsieur. Moi, je suis en train de mourir, je peux pas. Ok, monsieur, ok. Allez, monsieur, monsieur l'officier. Monsieur, on a parlé tout à l'heure. Cet individu vient de me faire manger quelque chose qui était tombé à terre. Et du coup, je suis en train de faire une indigestion là. Ah, j'ai mal. Et je lui dis de me payer 500 euros de dédommagement. Et il refuse. Il refuse de payer pour les frais médicaux, monsieur. Monsieur Jean-Michel. Oui. Payez cet individu. What? Parce que 500 euros pour un soin. Pour. 300 euros, monsieur. 350 en coupe la parande. 350. Même le flic il me prend pas au sérieux. Non, c'est beaucoup trop. 350. Monsieur, je suis en train de mourir. Aïe. Je suis en train de mourir. Vous le voyez pas, je vomis tout là. Je vomis tout. Ça m'a fait plus de mal que de bien votre nourriture, monsieur. Au moins, vous vomissez tout. Vous n'avez pas d'indigestion ou quoi que ce soit. Donc c'est bon. 250, monsieur. C'est vraiment le dernier. On est en train de négocier. Que vous avez de la chance que j'ai de l'argent. Je sais que vous avez de l'argent, vous vendez vos pizzas 4 fois le prix de la production, c'est normal. Il y a le mec, il est caché là-bas et tout. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Jamais plus je ne mangerai chez vous, je vais aller voir si chez les restaurants à côté. Et je vous paierai pas pour vos hamburgers, ils étaient dégueulasses. Sortez monsieur. Donc je vais devoir procéder à la fouille comme Attendez deux secondes monsieur, est-ce que vous avez une raison, un motif, un mandat? Parce que bon, aux dernières nouvelles on m'a dit qu'on n'avait pas le droit monsieur, de fouiller les... je suis obligé de vous fouiller avant d'aller voir le maire. Bah écoutez, je refuse d'aller voir le maire tout simplement, c'est pour me faire fouiller, c'est très simple, je refuse. D'accord monsieur. Voilà. C'est mon droit, je m'excuse, mais j'exerce mes droits, je refuse. Bonne journée monsieur. Bonne journée à vous aussi monsieur. Parce qu'en fait, s'il me fouille, les gars, il va trouver mon arme et il va me la confisquer. D'ailleurs, je pense que j'en ai deux même des armes. Bon, le deal avec les mafieux, c'est mort, vu qu'ils sont tous fait exécuter. Peut-être qu'il y en a. Bien, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui aient survécu. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, donc ils commencent une nouvelle vie. Encore une victoire pour Nebelo. Nouveau restaurant en face du Nexus. Bah, je viens de manger, mais à la prochaine. J'aime pas le Monexus, je préfère la mairie, mais bon. Prochaine, j'irai là-bas pour manger. Yeah. On va acheter les locaux ici. On va tout verrouiller. Et oh, il me regarde. Ah, il me regarde. Il m'observe. Ça veut dire on se reverra. Ça veut dire on se reverra, je pense. Un de ces jours. Il est caché derrière le poteau. Ok, bah j'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, plein de rebondissements. Et ça me fait plaisir parce que c'est tout le temps de l'improvisation. Et c'est ça qui est cool. Ah, il m'a fait un gros coucou de loin là. Je vais lui faire un coucou aussi de loin. Voilà. Enlève la main en fait. Mais j'espère que vous aurez apprécié en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous mettez un petit like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé. Mais j'ai fait la balance dans cet épisode parce que j'étais obligé. C'était des centaines de milliers d'euros qui étaient en jeu pour moi. Parce que regardez là, j'ai déjà 50 000. J'ai eu 40 000. Dans quelques minutes, dans une demi-heure, je vais aller les revoir. Je vais avoir un bon 100 000 de plus. Et je vous retrouverai pour le prochain épisode où on va vous préparer quelque chose de grand, quelque chose de très 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 grand. Comme d'habitude, vous avez juste à mettre un petit like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé. Et puis, si vous êtes toujours aussi nombreux à aimer, je me ferai un plaisir de vous proposer la suite, comme d'habitude, non-stop. Et encore une fois, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, puis je vous dis à très bientôt. Stay kill you. Ciao tout le monde. Peace.